Jean-Charles Borg, eh bien, dernier match de l'année pour Mios. Bon, c'était un match amical, hein, ce 3 juillet contre Bergerac. C'était quoi le but du match? Oh, le but, c'était de renouer avec le passé. Il n'y avait pas d'objectif, aucun objectif sportif. J'ai pas pris la tête d'ailleurs aux filles, tout le monde a joué. C'était de revoir du monde dans les salles, pouvoir faire un match, pouvoir aller faire un repas et boire des bières après. C'est retrouver notre vie sociale et le marquer avec le handball. Au-delà de l'opposition, c'est ce que je disais aux filles, ça faisait bizarre de se retrouver sur un banc avec mes filles en maillot et avec une équipe adverse avec un maillot différent et de voir du public. C'était juste pour notre vie mise entre parenthèses depuis des mois. Donc la saison est terminée. C'est difficile de tirer un bilan d'une telle saison. Non, je pense qu'il n'y a aucun bilan à tirer. On a gardé le groupe soudé et en maintenant une activité. Donc, le but, c'était de garder tout le monde et de garder cet esprit un peu club et l'esprit d'équipe tout au long de cette année sans s'entraîner. Oui, parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement du tout. On s'est entraîné en extérieur et après de temps en temps en intérieur quand ça a été possible. Mais on a maintenu une activité, mais les filles ont répondu présent. Donc voilà, les enfants ici, elles ont un état d'esprit génial. On les lâche, reprise de 5 août, avec une préparation assez courte, puisqu'on aura 5 semaines et demie, avec plusieurs tournois à board, une opposition contre Pessac et des oppositions contre Angoulême. Voilà.